Coucou, bonjour tout le monde. J'espère que certains d'entre vous vont super bien. L'impératrice est là. Coucou. Salut mes amis. Hello, how are you? How are you today? Tu pourras remettre le Fali et Poupa, je vais danser. Ah, ils sont déjà 107. Qui est en train de carfam en direct? Hein? Arrêtez de carfam en direct. Hein? Fali et Poupa. Je vais danser Fali et Poupa pour vous avant de commencer ma vidéo. Hello mes chers amis, comment vous avez passé votre journée? J'espère que vous avez passé une bonne journée comme moi. Ne sors plus sur mon direct, chérie. Arrête. Je danse Fali et Poupa. Akoyo. Hey. Voici la pas de Fali et Poupa de Nathalie. Yakoyo, hey, hey. Yakoyo. Victoria, danse pour mes amis. Yakoyo, hey. Je vois pas. Yakoyo. Non, ne viens plus dans mon dieu. Sigi, eh eh. Sigi. Pourquoi tu es énervée? Viens juste faire un coucou à mes amis. Alors, normalement, les enfants ne sortent pas sur des directs. Papa, il a dit que tu ne sors plus sur les directs de maman. D'accord? Parce qu'il y a des gens sans scrupules sur le net qui insultent les enfants. Donc, il ne faudra plus que tu viennes sur les directs de maman. Est-ce que tu m'as compris, ma chérie? C'est pour te protéger, mon petit cœur. Alors, mes loves, vous êtes déjà 200. j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que je suis là, je vais bien. Je pète déjà la forme. Hein? J'ai déjà une forme olympique dont je peux déjà clasher. Hein? Celle qui me cherche les noises là. Donc, je peux les répondre à aller et retour. Parce que les Étonnes aiment le clash. Nous, on est nés dans le clash. Donc, ça veut dire que je peux répondre à n'importe qui. Parce que je n'ai peur ni des faux profils. Ni des gens qui vont manipuler les autres. Parce qu'ils veulent que tout le monde soit traîné dans la boue. De toute façon, je vais vous dire un truc. Moi, personne ne m'a fabriqué. J'ai jamais été fabriquée par personne à part le Dieu éternel lui-même. C'est lui qui a eu à me fabriquer. Parce que pour fabriquer quelqu'un, il faut commencer des orteils, des pieds, jusqu'à la tête, avec tous les membres. C'est ça qu'on appelle fabriquer les gens. Ok? Alors, moi, je vais te nommer, même pas les autres noms là. Hein? Je vais t'appeler l'éléphanto de Fokoué. L'éléphanto, c'est comme ça, c'est le nom d'oiseau que je vais t'attribuer. C'est comme ça que je vais te répondre. Et c'est ton nom que je te donne. Parce que tu vas beau critiquer mon physique, tu vas dire que je mange pas, que je suis pas belle, parce que je suis trop mince. Tu sais quoi, je suis une belle plante d'1m80. J'ai la peau nette. Je suis belle. Je dis, j'ai un derrière attaquatoire. Hein? J'ai les lolos devant. Si c'est les lolos, j'en ai. Si c'est le ndombolo, j'en ai. Si c'est les bochos, j'en ai. Eh oui. Hello. Hello. Eh oui, au moins les femmes des blancs s'entretiennent. Victoria, je te veux pas sur mon direct, mon amour. S'il te plaît. Non, non, non. S'il te plaît, mon petit cœur. Oh, mon bébé d'amour. Oh, bien maman, elle a râlé. Je te fais du coca. Ah, arrête-toi, Gisèle. Essaie de la consoler, s'il te plaît. Oh, Victoria, c'est pour ton bien que maman, elle ne veut pas te voir sur ses directs.
Écoutez, ma fille n'est pas très contente parce que comme elle n'a pas voulu que je la chasse de mon tiret. Oh, ma chérie. Oh, maman, tu sais, j'aime pas quand tu râles. Oh, mon petit bébé. Viens, viens, maman, elle va te faire un bisou quand on fait la paix. Allez, viens, maman, elle va te faire un bisou. Tu veux qu'on fasse la paix ou pas? Viens, viens, on fait la paix. Allez, viens, mon petit cœur. Oh, ma crevette. Attends, je vais pas continuer le direct tant que tu pleures. Hein? Allez, viens, viens, on fait la paix, mon petit cœur. Viens, viens, je te fais un bisou alors. Oh, doudou, ma chérie. Bon, écoutez, Victoria n'est pas très contente à ce qui paraît. Va falloir que je la calme. C'est sûr qu'elle est déjà calmée. Voilà. Donc, les femmes des blancs, même les femmes des noirs en ce moment, font attention à leur physique. Elles vont déjà en salle de sport, même au Cameroun. Les salles de sport sont pleines au Cameroun. Dans toute l'Afrique, maintenant, les femmes ne veulent plus de ces grosses vaches, de ces femmes éléphantaux. Il faut faire du sport. Et il y a des femmes même qui sont costauds et qui s'entretiennent et elles ont un joli corps, même si elles font plus de 100 kilos. Donc, arrête de... Ce qui est sûr, c'est que... Hein, je suis une fille mignonne. Je peux même dire une belle fille. Eh oui, j'ai un joli physique. Je fais attention à mon physique. Et je mange africain. Je mange africain. C'est précis. Donc, qu'on arrête l'ombrakata. Comme toi-même, tu dis souvent qu'on arrête l'ombrakata. C'est parce que tu es mal dans ta peau. Tu as un physique d'éléphanto. Vas-y en salle de sport. Au lieu de rester là à manger tes congrès. Tes congrès avec... avec ton couscous tous les jours. Même les femmes de l'Ouest maintenant font plus attention que les autres. Je vois la famille Kardashian là-bas à Paris. Elles font attention. Hein. C'est des filles. Elles font même des régimes. Elles sont belles comme tout. Elles ne restent pas à devenir éléphanteux. Il y en a qui sont même très costauds, mais qui sont fermes. Tu as vu ton corps. Quand tu danses, ça... Quand tu bouges seulement comme ça, ça fait bra 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 bra. Tu dis que tu insultes qui? Hein? Tu insultes les créateurs de Dieu. Comment les créatures de Dieu? Tu es qui pour insulter les créatures de Dieu? Et il y a des femmes africaines qui sont minces comme ça, les femmes d'Africains là. Il y en a qui sont minces comme ça. Et il y en a même qui sont plus minces que moi. Mais leurs maris les aiment telles qu'elles sont. Donc, arrête d'envoyer tes petits tes disciples de petits esprits m'insulter sur mon physique. Il n'y en a rien à foutre. Eh oui, origine. Une créature, je dis, un être que Dieu a créé le samedi soir, presque à minuit. Hein? Il m'a donné la taille. Il m'a donné l'élégance. Il m'a donné l'éducation. Il m'a tout donné. Et il a tourné son dos. Il est parti au ciel. Il a même encore porté. Il a encore porté les miettes. Il a encore versé sur ça. Vous allez m'insulter par où? Et original. Je n'ai pas encore décidé de te traiter. Je vais revenir. Donc, en tout cas, en passant, je voudrais... faire un big up à notre soeur, notre consoeur camerounaise, hein? Notre soeur, comment dire, qui est à la prison, qui a fait les dons à la prison, franchement, c'est un geste louable. Donc, bravo à toi, hein? Bravo. J'ai dit que je ne fais plus de clash, mais il y a des choses à, comment dire, il y a des choses à dire. Et il y a des trucs à remettre à l'ordre. C'est comme par exemple celle-là que je vais nommer. Victoria, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que j'arrête le direct? Pourquoi? Mais je parle vite fait à mes amis, puis je te reviens. Hein? L'éléphanto de Fukui. Tu te rappelles que quand on s'est pris la tête, quand on s'est disputé la dernière fois,
quand Amod nous avait arrangé, avant que notre grand frère ne nous arrange et tout, tu m'as persécuté pendant 2 ans. Je me rappelle, Victoria venait de naître. Elle n'avait que combien? Et je crois qu'elle avait 4 jours. J'ai posté une photo de moi sur le net et tout. Tu m'as insulté. Je dis que j'avais encore, je dégoulinais encore de sang. Tu m'as insulté. Tu étais venu à Monaco. Tu m'as insulté avec Naomi Lorraine. Tu nous as insulté. Tu m'as souvent insulté dans plusieurs publications. J'avais même mis ma bagagerie et tout ça. Tu es venu. Tu as insulté ma bagagerie. Tu m'as insulté copieusement et bien. Tu m'avais traité pendant 2 ans juste parce que tu voulais mon attention. Et quand tu as commencé à traiter tout le monde de pute et tout, et c'est là où ma copine et moi, on avait décidé de te publier. On a reçu tes photos et on les avait publiées. Après, le fait que toi, c'est toi qui es venu commencer la guerre. Amo t'avait donné mon numéro. C'est toi qui m'avais appelé pour présenter les excuses. Tu m'as dit que non. Oh Nathalie, désolée si je suis venue t'insulter. Nanani, nanana. Moi aussi, je t'avais présenté des excuses pour t'avoir publié. Hein? Et là, tu étais en maillot de bain. Tu étais en maillot, tu étais en tenue. Toi, tu avais eu à publier une femme. Tata Aline, une fille qui n'est même pas dans le milieu de la dépravation, tu l'as publiée à poil, cette dame. Hein? Combien de personnes tu as fait du mal sur cette toile et qui c'est qui t'a tenu rigueur? Personne. Black Card, tu l'as publié. Et je dis qu'il y en a tellement de personnes que tu as publiées, tellement de personnes que tu as insultées, les mères, des mères dignes dans les foyers. Tu les as publié. Hein? Tu as terni leur image. Qui c'est qui t'a dit quoi? Qu'est-ce qui t'a dit quoi? Personne ne t'a rien dit. Hein? Donc, ça te fait mal parce que j'avais publié tes photos en maillot. Que tu commences à dire à tes fans que non, il va falloir qu'on la traite, machin, nanani, nanana. Et tout, tu penses que les gens vont tellement me huer. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et je ne regrette pas ce geste-là. Je te l'avais dit que je regrettais, d'accord, je t'ai présenté les excuses, mais après tout ce que tu as eu à faire aux gens, désolé, et après ce que tu me fais aujourd'hui, je ne regrette plus mon geste. Je ne regrette pas parce que tu en as fait pire. Tu as détruit des familles. Des familles ont été détruites par toi. Donc, c'est pour ça que tu es le genre de personne qu'on fréquente avec des pincettes parce que tu n'es pas une personne fiable. Tu es une personne qui crée la zizanie. Tu es une personne qui crée la merde partout où tu vas. Et ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas peur de te répondre. Parce que chez nous, les étonnes là, nous, on est avec le clash dans le sang. Même un enfant de 4 ans peut déjà clasher chez les étonnes. Donc, c'est parce que nous autres, on a décidé d'être classe. On a décidé de militer pour la paix. Et vous allez voir, quand je décide même de mise à l'ordre, je ne clash même pas. Je dis, je n'ai à rien d'aller chercher tes amitiés avec mon nom. Tu dis que ta société de femme, c'est plutôt moi qui t'a pas favorable. Désolée. C'est quoi ça? Écoutez, je crois que la connexion n'est pas favorable, c'est pas grave. Donc, on va recommencer le direct. Eh oui, c'est moi qui ai eu à te fabriquer. Tu te rappelles? Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Hein? Tu es venu me clasher pendant 2 ans. Mon mur a des vues. Les gens importants sont sur mon mur. Et tu savais que si jamais je te réponds, tu vas devenir populaire. Eh oui, j'avais décidé que je ne clasherais jamais avec toi parce que moi, quand je dis que j'arrange, je suis sincère. Donc, arrête d'aller raconter tes histoires là, que oh, ma chaîne a dit qu'au mariage d'amour, que j'ai dit que j'avais donné 6000 euros et que j'ai inventé. Déjà, je ne parle avec personne dans cette communauté. Même quand les gens m'écrivent inbox, je ne réponds pas. J'ai eu à dire ça où je dis que la personne vient de se lever et montre la preuve s'il y a même une conversation qu'on a enregistrée où on dit que oui, Nathalie, moi, j'ai dit qu'au mariage d'amour, j'ai donné 6000 euros. Mais arrêtez un peu vos spéculations. Arrêtez. Arrêtez de vouloir toujours diviser les gens parce que vous avez vu que Amod m'avait mis au top dans son mariage et tout. J'étais comme la marraine de son mariage et tout. J'étais assise à côté. Inventez vos histoires pour nous séparer, mais sachez que Amod et moi, c'est comme la famille. C'est comme la famille.
C'est à cause de tes postes que lui et moi, on a failli se clasher et tout. Mais on ne s'est jamais clashé. Eh oui, même Madame Amot, je la respecte énormément. Elle, je l'ai connue au Cameroun avant même qu'elle soit mariée avec Amot. Quand elle était encore au Cameroun, elle me connaît. Je partais au Maeva où elle dansait. Elle dansait à l'époque. Je partais là-bas, je farotais des millions. Elle est témoin. Il y a plus de 15 ans de cela aujourd'hui. Donc, cette fille-là, je lui dois de respect comme elle me doit de respect. Donc, arrête de mettre les gens de ton côté pour essayer de ternir l'image des autres. Donc, arrête ça. Même les mensonges, j'ai eu à m'expliquer avec eux. Et c'était par rapport à ton ancienne vidéo. Je dis que c'est parce qu'ils ont rigolé. Non, c'est parce qu'ils avaient eu à dire des choses qui n'allaient pas. Après, on a eu à s'expliquer. Donc, voilà, maintenant, c'est fini. Donc, arrête d'aller remuer, de toujours remuer et tout les problèmes parce que tu veux maintenant que les gens me huent, que tes profils me harcèlent. Mais ces gens-là ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Ils savent que c'est toi la fouteuse de merde. Ils savent que c'est toi qui es une fille. Et sache que hein, je n'aurai jamais peur de toi parce que je n'ai peur de personne. J'ai jamais eu peur de personne dans ma vie, ok? Parce que je n'ai peur ni rien, je n'ai peur de personne. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à te dire. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour toi, c'est pour ça que je ne veux pas me mettre à t'insulter. Tu disais que les gens disaient que non, il faut que je te présente les excuses. Je te présente les excuses par rapport à quoi? C'est toi qui veux toujours me rabaisser, c'est toi qui veux toujours que tu me défends. C'est quand... Voilà, quand tu... Désolée, hein, c'est le réseau qui dérange. Donc voilà, même quand tu décides de... Voilà, c'est parce que tu sais que tu as déjà fait une première vidéo où tu me hues et tu as tes profils de m'insulter. Voilà, donc quand tu fais une première vidéo où tu me traites de tous les noms, quand après toi et moi on s'explique, tu sais la vérité de ce qui se passe et tout, tu refais une autre vidéo pour essayer d'établir la vérité. Ça veut dire que après tu me défends, ça veut dire que tout ça c'est une forme d'hypocrisie. Tu vas parler avec une personne parce que tu t'attends à ce qu'elle t'invite, tu commences à me rabaisser. Tu es devenu qui sur la toile? Tu es devenu le bon Dieu pour rabaisser les gens fabriqués et défabriquer les gens. Mais je suis désolée, c'est les gens qui te donne cet honneur là parce qu'il te laisse faire tout ce que tu veux sur la toile, mais tu ne peux pas te lever. Tu dis que tu détruis les gens. Je suis désolée, avant même que Facebook ne soit là, que je ne sois sur Facebook, hein, vous êtes les nouvelles stars, les gens qui se sont fabriqués sur la toile. Nathalie de Monaco est un nom qui s'est construit dans le jeton. Mon nom s'est construit dans le jeton. Hein? Mon nom a déjà construit des immeubles dans le milieu, seulement dans le milieu africain là. C'est un nom que les gens respectent. C'est un nom des réalisations. C'est un nom de la concrétisation. C'est un nom de l'élévation. C'est un nom qui a tellement aidé. Les dons qu'on fait là aujourd'hui, c'est moi qui ai ramené les dons là sur la terre. Je me rappelle une fois j'ai mis les dons. Vous avez pris ça, on a mis sur les sites de où on insulte les gens, on m'a insulté, on a dit que est-ce que j'ai besoin de venir mettre ça sur la toile? Il y a de cela 5 ans, je fais les dons depuis 15 ans que je ne mets même pas sur la toile. Et oui, voilà. Donc, tu ne peux pas te lever, tu dis que tu m'as fabriqué et que tu vas me défabriquer. Tu es qui? C'est pas sur la toile que je suis connue, je suis désolée. Et oui, c'est pas sur la toile que j'ai été fabriquée. Et sachez même que je ne fais rien pour être populaire. Ça veut dire, ce sont vos insultes qui m'ont rendu populaire. Je suis plutôt une personnalité, pas une star Facebook. Je suis désolée. Je me suis construite toute seule. Vous avez compris, non? C'est pas en insultant le monde entier, en mettant les gens à poil sur Facebook que je me suis fait connaître. C'est mes ambitions qui m'ont fait connaître. C'est mes sorties dans le milieu qui m'ont fait connaître. À l'époque, quand aucune fille ne passait au Hilton, je partais là-bas, je restais les 3 mois. Il y a de cela 15 ans, 17 ans en arrière. Donc, je suis connue, ma. Eh oui, même la Jaguar peut te le dire qu'à l'époque, je partais, je versais les millions sur les danseurs, les chanteurs. Maman, mon nom est tellement populaire. Donc, ce n'est pas sur Facebook que vous allez détruire ce nom. Ce nom est un monument. Nathalie de Monaco. Je dis que quoi que je fasse, ce nom ne va jamais
certaines. Quand vous insultez, vous utilisez quel nom? Ce n'est pas Nathalie de Monaco. Donc, arrêtez vos idioties.